Salut les gars, c'est M42, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça m'appelle. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel épisode de la carrière manager avec Arsenal. Au programme, on va jouer contre le Borussia Mönchengladbach en Champions League, le premier match. On va mettre l'équipe 1, après on va jouer contre Hull City. Mais après ça va être chaud, normalement c'est là où je dois mettre équipe 1, l'équipe 2 et après l'équipe 1. On va voir ce qu'on va faire. On va mettre l'équipe 1 pour le premier match. Deuxième, on va mettre l'équipe B. Pour le troisième, on va peut-être encore mettre l'équipe B, on va voir. Ah bon, c'est le calendrier. On va mettre au bout le code qui revient, bien sûr. Ça s'en finira pas.
Il y a les escrocs, le match est terminé, on retrouve tout pour les meilleures actions du match. C'est Lucas Pérez qui a buté sur Marshall. Le gardien pour l'instant Stéphanois. Danny Welbeck qui va frapper le poteau sur ce contrôle. Grosse frappe, ping, presque dans l'équerre, mais c'est le poteau qui le sauve. Là, Lucas Pérez qui rate le penalty. J'ai carrément foiré là. À côté, le gardien n'a pas bougé, il a poussé un ouf de soulagement. La Mohamed El Neni qui va s'illustrer sur ce corner de Lucas Pérez dans la tête et but. Oh, j'ai oublié d'enlever, faut appuyer sur select. Enlever la barre, ça fait chier ça. Et là, frappe de Debuchy contré par son coéquipier, Oxlade Chamberlain. Chamberlain récupère le ballon, frappe pied gauche. Il a nettoyé la toile d'araignée. On peut le mieux. Alors, un arrêt du gardien sur cette tête. T'as touché la barre avant. Ouais, mais tu bûches une faute. Ouais, ça, on s'en fout un peu, les gars. Petr Cech qui a fait le taf après sur cette tête adverse. Facile à capter. Après, Oxlade Chamberlain il reprend de façon acrobatique. Frappe pied droit. C'est repoussé. Eric Sanchez qui va conclure le bal en transformant ce penalty. Et donc une victoire 3-0. 3 poteaux, 3 barres à 0 et 3 buts à 0. Cette fois-ci on a eu largement la possession et l'occasion. Ah ouais, 22 tirs, 13 cadrés les gars. Quand même, c'est quelque chose. Ah c'est sûr. Là on va faire les entraînements, on va simuler les entraînements. Hein. On va avancer notre calendrier. Je joue notre dernier match. Avant la prochaine vidéo. Parce que on va jouer avec le Team Beast encore parce qu'il y a un choc contre Chelsea dans le prochain match. Allez les escrocs, on va plus vite. Hein. Ah, il y a l'équipe de jeunes. Là. Ah, il est nul. C'est une jeune pépite. Mais il est trop jeune. Aminarit. Lui aussi il est jeune. Conservation du ballon. Ouais, faut bien savoir conserver. Non, on va pas quitter les gants, moi, du gars. Holding, l'usage de la défense, les tacles glissés, arrière latéraux, Hector Bellerin. La brésilienne aurait mieux fait ça. On va tout simuler. Les gars, on veut dire. Oh, bel entraînement pour stimuler. Un, deux. On a eu 2 A, 2 C, 1 B. Ça, je suis content. Holding qui est passé 68, ça va. Welbeck 1982. Ça va, je suis content. Là, je comprends pourquoi il faut mettre l'équipe B. On a fait une petite équipe. Et après, il y a Chelsea surtout. Bon, elle est pas trop fatiguée, franchement. L'équipe met en pleine forme, l'équipe B aussi. Kevin Malcuit, Lucien Stéphanois, je vais voir. Ouais, il est très rapide quand même. 70 de général, ça m'intéresse pas. Allez. On avance donc. On avance. Perd pas de temps, les gars. On est parti pour le dernier match de cette vidéo. Je vous le dis à tout de suite pour les meilleures occasions du match. Le match est terminé, on se retrouve pour les meilleures occasions du match. Première occasion de Guérin Gibbs, au pied droit, de son pied très largement à côté. Voici une frappe de Mathieu Debuchy du pied droit, juste à côté, avec un petit rebond avant. Voilà la frappe. Ah, c'était un corner mal joué.
une tête mal ajustée, trop en arrière. La Roxelle Chamberlain a profité des deux appels, elle a remonté tout le terrain. C'était magnifique, c'est ça en fait. Axel Goupy qui rate carrément sa frappe, trop écrasé, mais sur le poteau. Là. Quelle erreur du gardien de sa défense. La tête d'Oxel Chamberlain qui en profite. But dégueulasse, mais le but. Il compte. Mathieu Debuchy qui frappe, il a été taclé en même temps. Mais l'arbitre qui a pas si fait de faute, c'est passé au-dessus. Là, le centre. La tête de l'attaquant. Arrêté par le gardien. Là, il y a eu une faute. En fait, c'était pas une action. Et la dernière action du match. Bouffon, je l'ai mal tiré, si le gardien qui l'arrête. Et là, on s'arrête ici pour cet épisode. On va aller voir comment on est au classement, parce qu'après, j'aurai pas le temps. Je vais pas qu'on dépasse les 15 minutes de vidéo, sinon on pourra pas le mettre en ligne sur YouTube. On va durer 5 minutes. 5 minutes, oui. Ça, on est à 11-12 minutes, on va faire les gars. Il me semble. On regarde le classement. 5e de première ligue avec 10 points. Ça va. J'espère que vous avez apprécié l'épisode, les gars. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Amoncardo et peace!